un sentiment de devoir accompli, de fierté. Vous savez, je suis un acteur, une actrice politique et je mesure combien le vote a un outil puissant pour s'exprimer. Donc je suis heureuse d'avoir accompli ce devoir-là. Vous savez, moi je suis agréablement surprise parce que je trouve qu'il y a de l'affluence, parce que nous avons connu d'autres élections et à cette heure-ci, heure de messe, c'est 3 fois plus que ce qu'on a déjà observé certaines fois. Ça veut dire qu'à la sortie de la messe, ce serait davantage. Donc ça a bien démarré, en plus dans la paix. Vous voyez que c'est hyper calme ici. De toute façon, en général, à Akpakpa, c'est souvent très calme. Donc, ça va se continuer comme ça dans la journée, j'en suis certaine. Très sincèrement, je voudrais appeler toutes mes concitoyennes et tous mes concitoyens à sortir massivement pour aller accomplir ce devoir-là. C'est un devoir et c'est un pouvoir. C'est un devoir et c'est un pouvoir. Je le répète parce que il faut qu'on mesure combien ce pouvoir est important et lourd pour ne pas le bouder. Et j'aimerais que toutes les filles, toutes les femmes, tous les hommes du Bénin mesurent ce pouvoir qu'ils ont et qu'ils sortent pour aller exprimer leur vote, pour aller exprimer dans quel sens ils veulent que le pays soit dirigé, dans quel sens ils veulent que le pays soit pris en charge. Et donc pour cela, ils doivent voter massivement. C'est à travers le vote qu'on exprime sa satisfaction et ses insatisfactions. En fait. Donc c'est pour ça que c'est un pouvoir, parce que ça permet aux gouvernants de savoir s'ils sont sur la bonne voie ou s'ils doivent modifier légèrement la trajectoire. Et c'est pour ça que j'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois à sortir aujourd'hui. Après la messe, venez massivement pour aller voter. Le destin de notre pays en dépend. La manière dont nous allons continuer la gouvernance de notre pays en dépend. Et ça veut dire que nos conditions de vie en dépendent directement. L'amélioration de nos conditions de vie en dépend directement. Sortons pour aller voter.